Hello à tous. Hello tout le monde, je crois que t'es pas sous la scène. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Bonjour à tous. Ah, ok. Vous participez uniquement à la diffusion audio. C'est super agréable. Je ne sais pas pourquoi. Ah, si, c'est bon. Ça y est. Ça y est, Voilà. t'es blanc. Salut à tous. Bah, écoute, moi, je vais vous laisser. Je vais laisser Jérôme se présenter déjà. Ouais, moi c'est Jérôme Blin. Ça fait 2 ans que je fais, un peu plus de 2 ans que je fais du no-code. J'ai créé ma société bon, il y a un peu plus de 2 ans. J'accompagne les TPE, PME dans leur transfo digital en créant des apps internes avec des outils no-code. Donc, c'est un peu l'avenue aujourd'hui, c'est par rapport à ça, par rapport à TimeTonic que j'utilise quotidiennement. Et aussi j'utilise aussi d'autres outils, hein, du Airtable, du Make, l'Egitecho pour d'autres outils français, du Zilio, du. Voilà, j'utilise un peu d'autres outils, c'est un peu en fonction du besoin du client, clairement, que je m'adapte. Après, les bases sont un peu les mêmes, après, une fois qu'on connaît un outil. Donc, après, je préfère avoir l'outil adéquat au projet plutôt que d'essayer de faire rentrer l'outil sans le projet alors que ça va pas. Ok, donc ouais, donc toi t'es plutôt plutôt on va No dire code ops. no code ops plutôt. Ouais, no Ok. code ops et puis app interne, mais je fais pas de WeWeb et tout ça, le côté design, on va dire, j'y suis pas encore, j'y viendrai, mais je trouve que c'est un très bon outil que j'aimerais bien plus enfin utiliser dans le futur, mais pour l'instant j'en suis pas là. Bah, tu dis ça particulièrement parce que tu sais que moi j'utilise beaucoup Web, c'est ça? Ouais, c'est pour ça. Ouais, La effectivement. stack Zano WeWeb est aussi sympa donc. C'est très bons outils. Pas français comme on va voir tout à l'heure avec TimeTonic, mais ça reste de très bons outils pour moi aussi. Enfin, pas français. Web, si, mais bon, c'est une très longue histoire. Mais ok, bah écoute, super. Et du coup, tu sais qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, d'ailleurs? Ouais. Donc, je me suis basé, comme un premier cas assez facile, un CRM, comme ça parle à tout le monde. On va se lancer sur TimeTonic vraiment du départ, créer un petit CRM vraiment basique. Mais c'est juste pour montrer un peu comment on construit et comment est l'interface, pour bien comprendre un peu comment fonctionne TimeTonic. Et dans un second temps, on va voir, à partir de ça, on va faire on va dire, un logiciel, enfin, une app pour les interventions de techniciens, par exemple, basée sous le CRM, et on va avoir le client, par exemple, il va vouloir gérer des techniciens et des interventions de techniciens. Donc, on va voir un peu toutes les subtilités qu'il y a autour, avec TimeTonic et les fonctionnalités qui collent bien à ce type de use case, chez eux. Ok, bah super. Écoute, avant de commencer, bah déjà bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Bonjour à tous. Et avant de commencer, du coup, déjà c'était quoi TimeTonic déjà pour commencer peut-être? Alors, c'est vrai, c'est un outil pour construire des apps, mais enfin, comment dire, enfin, c'est vrai que la définition, pour moi, c'est une base de données, une base de données relationnelle en no code pour que ça soit une programmation visuelle au niveau de l'outil dans lequel on va construire après différents outils autour de ça qui peut être aussi bien comme je vais parler d'un CRM mais ça peut être aussi bien de la gestion de projet aussi bien beaucoup de thématiques différentes avec le même outil et les connexions qu'il peut y avoir autour avec d'autres outils pour créer des solutions complètes quoi. Ah tiens, je vois qu'on est surveillé par l'équipe TimeTonic, si je ne me trompe Ouais. pas. Émilie qui va démarrer, qui a démarré son alternance avec TimeTonic, si je ne me trompe pas. C'est ça, je crois. Puis normalement. Donc fais attention à toi, Ouais, t'es va falloir surveillé que je aujourd'hui. dise pas de bêtises aujourd'hui. Faut que je fasse Donc attention. du coup, pour te reprendre, TimeTonic, c'est un outil no code effectivement dédié à la base de données, un peu dans le même catégorie, on va dire que Airtable pour ceux qui peuvent connaître, qu'Airtable Bezro. Sauf que là, on est sur une version déjà FR, plus adaptée aux TPE, PME,
D'ailleurs, bah, Emily, si je me trompe, moi aussi, pas me taper sur les doigts, il n'y a pas de problème. Donc, en gros, voilà, c'est un petit no-code de base de données, sauf que Titanic a des particularités qui ne sont pas disponibles chez les concurrents, on va dire, ou les confrères, comme Airtable, Bezero ou autre. Donc, par exemple, je sais qu'il y a l'intégration des formules Excel, par exemple, dans Titanic, pour ceux qui viennent d'Excel. Ça parle bien pour le monde de l'entreprise. C'est ça, voilà, ça évite. Au niveau de tarif, on n'est pas si loin que ça au final que de ce que fait leur concurrent. Non, on n'est pas, on n'est pas forcément plus cher ou même moins cher d'ailleurs, soyons honnêtes. On est à peu près dans les mêmes tarifs et du coup, très bon SAV, les docs sont quand même assez bien remplis. Et Titanic a énormément de possibilités qui sont inconnues. J'en ai eu la démo l'année dernière au No Code Submit avec Thierry. C'est ouais, là Thierry Sapia, ouais. C'est vraiment, c'est non seulement un bon technicien, mais c'est un très bon commercial aussi. Hein. On était avec Léa Guignard sur le stand. Ah, c'est vrai qu'au final, on va peut-être un peu switcher d'outils. donc, c'était assez intéressant. Mais du coup, c'est Jérôme, je vais te laisser présenter ton écran. Je pense que tu n'es pas sur la bonne scène là, actuellement. Sur ton écran, je vois que tu es sur le partage. Ok, très bien. Alors, donc ça, voilà. C'est l'interface de Titanic. Dites-nous sur le chat si vous voyez assez bien ou pas, et si besoin, si je dois agrandir la fenêtre. Non, moi j'ai zoomé un peu, normalement ça devrait être pas trop mal. Après je peux virer peut-être le petit bandeau là sur le côté, comme ça sera nickel. Je vois un truc, c'est CRM Lomea, c'est quoi Lomea? Est-ce que je vois que c'est aussi ton nom? C'est vrai, c'est le nom de ma société en fait. C'est mon petit CRM perso que je suis fait dans Titanic pour suivre tous mes projets clients, tous mes contacts, etc. Donc, je suis créé mon propre CRM. Et on le verra un peu après, je le montrerai, parce que j'ai fait un CRM de démo, en fait, et il est basé sur mon CRM que j'avais construit au début. En fait, je me suis servi pour faire un petit CRM de démo. Et juste, attends, première question, c'est Mathieu Charlie, bien pour les gestions de projets avec de nombreuses tâches? Oui, clairement. C'est en partie une des spécificités de Titanic, c'est que la table de liaison dynamique, enfin, le fait que la table soit en liaison dynamique et que Titanic supporte une grande volumétrie de données, ça permet justement d'avoir de nombreuses tâches à traiter sans aucun problème, sans aucune lenteur. Et la deuxième, c'est pour eux, des fois, il n'y a pas de barre grise de navigation en bas. Pourquoi il n'y a pas de barre grise? Ah, parce que là, je suis encore dans l'espace des différents workspaces, en fait. C'est ça, la barre grise, c'est plus pour défiler, c'est ça que... Toc, si je clique, par exemple, si je montre... C'est au niveau du défilement, c'est ça, la barre grise en bas, je sais pas. Je sais pas. Bon, bah tu nous diras, Mathieu, exactement, si tu peux préciser ta question, comme ça, on y répondra avec plaisir. Donc, du coup, tu nous parlais, donc tu t'es basé sur... Tu as créé un CRM aujourd'hui, tu t'es basé sur ton CRM que tu avais créé, toi. Ouais, donc oui, c'est ça. C'était bien ton le fait qu'on soit... Le fait qu'on soit dans le workspace actuellement et pas dans une app à proprement parler. C'est pour ça. C'est ça. Donc, pour l'instant, on est sous l'espace et quand on vient de se loguer, on arrive directement sur cet espace-là, en fait. On va avoir les différents workspaces sur lesquels soit on a créé ou soit sur lesquels ils sont partagés avec nous en fait. Donc on va avoir la visibilité là. On peut créer un workspace là ici en bas à gauche. On va en créer un, je vais montrer, comme je vous ai dit, les bases d'un petit CRM, juste pour vous montrer un peu la construction, comment ça se passe. Donc là, en appuyant sur créer un workspace, on va arriver à une page où soit on va partir de zéro avec une nouvelle Smart Table. C'est un nouvel espace de travail, et soit en fait on va avoir des templates de différents suivant des thématiques, des CRM, des projets, des startups, enfin liés aux startups, du RH, etc. C'est des petits carnets qui vous servent à avoir de la data, à voir comment c'est construit et pour monter en compétences dessus, quoi. Donc nous on va partir de zéro pour l'instant. CRM live. Hop. Pour vous montrer un peu comment ça se passe quand on crée un nouveau workspace. Donc,
À gauche, sur Timetonic, c'est un peu différent que sur Airtable. À gauche, on a les différentes tables. Là, au-dessus, on a les vues. Ici, par exemple, si je peux rajouter, je vais créer une vue pour cette table-là. Et on va avoir les différentes vues en onglet. Des options dans la barre là. Et on va avoir directement une vue table avec une table par défaut. Donc là, je vais créer une nouvelle table. Donc pareil, un peu pareil que comme avant, là on peut créer une nouvelle table, mais on a aussi des possibilités autres, créer un tableau de bord, une smart page et tout ça. Certains, on va les voir après, hein, clairement, je vais vous montrer des exemples. Mais on peut aussi repartir des templates, ça va nous donner des templates et ça va nous créer les différentes tables du template aussi directement à partir d'ici. Donc là, je vais créer une table entreprise. Je vais supprimer la table d'origine parce qu'elle ne nous servira pas. Et là, comme on est dans une table, dans une base de données relationnelle, là, je vais créer un champ qui va être typé, bien sûr. On va avoir différents types de champs, hein. Les standards un peu de tout le monde, Airtable, comme Airtable, du texte multiligne, du nombre, des pièces jointes, des emails, etc. Est-ce qu'il y a des types de texte, genre UID, trucs comme ça Non, il n'y a pas du UID, il y a le standard, l'autonumber, quoi, l'équivalent en autonumber chez Airtable, qu'on a, qui va incrémenter tout seul et choisir un nombre, mais on n'a pas du UID. Il y a un raw ID qui est caché côté Timetonic. Quand on sert de l'API, on le voit, mais sinon, on n'a pas la visibilité de cet ID. Ok, bon, sinon, je pense qu'avec l'automatisation, on peut peut-être auto-générer un UID, c'est pas. Ok. Tu as dit qu'il peut y avoir une question, c'est est-ce que les droits de vision peuvent être personnalisés en fonction des utilisateurs? Oui. Alors, je vais quitter ça, je vais y répondre. Dans l'espace là, on a une petite. On peut voir les petits personnages où on va avoir les membres qui sont dans le workspace. Et l'administrateur va pouvoir ajouter des membres, les personnes sur lesquelles on veut qu'il y ait le partage sur ce carnet-là. Et en fait, là, après, on va gérer des rôles. Donc il y a les rôles standards au niveau de Timetonic, qui est le propriétaire, c'est celui qui a créé, il y a le rôle d'admin, il y a le rôle d'utilisateur, il y a le rôle en lecture seule. On va déjà avoir ces rôles-là pour gérer au niveau de l'espace les droits individuellement. Et on va avoir aussi, je vais revenir en arrière, on va aussi gérer des vues. Les vues vont permettre de gérer les droits, et je le montrerai après, quand on va pouvoir partager ces vues dans un espace dédié à un profil de personne. Par exemple, je vous montrerai ensuite, pour les techniciens, je vais créer un carnet spécifique qui va reprendre toutes les vues du carnet principal qu'on a besoin et des gestions de droits du carnet principal pour avoir une vue spécifique technicien avec ce qu'on veut partager, ce qu'on veut voir, les droits différents, etc. Ça, je le montrerai après, ce sera plus pertinent quand je le montrerai. Donc, pour continuer sur mon sujet, je vais créer les champs qui nous intéressent. Donc, on va juste créer un nom d'entreprise. Hein. Je vais faire très simple pour la démo. On va créer un type d'entreprise. Où on va gérer là, par exemple, avec un select. Je l'ai passé peut-être, sélection, voilà. On va avoir des options, etc. pour les select, mais on va mettre, par exemple, client, fournisseur, et partenaire, on va mettre, juste pour avoir des choix différents. On va mettre... une adresse, parce que après j'aimerais vous montrer une vue un peu spécifique qui est la vue carte. Comme ça, on va mettre une adresse. Donc je vais créer des champs texte, hein, pour les adresses. Donc code postal. Ouais, le zip code, tu le fais en texte, tu le fais pas en number?
en champ, en chiffre. OK. Ben, parce qu'en fait, quand tu prends une adresse française ou que c'est 0, par exemple, moi je suis dans le département 08, 08 quelque chose, ben, le 0 il apparaîtra pas. Donc, OK. pour ça que je prends un champ texte à chaque fois, comme pour les codes postaux. Et on va mettre un champ ville. Bon, je décompose tout. C'est parce que j'aime bien fonctionner. C'est comment Xavier qui dit ça au niveau de la création des bases de données. Il faut mettre au plus petit dénominateur commun et comme ça, je constitue l'adresse, le code postal et la ville. Tiens, je te stoppe, on a une question un peu intéressante. Dans le cas où nous avons des projets spécifiques du monde médical, y a-t-il une protection des données afin de protéger des patients, par exemple? Merci. Ah ok, c'est le côté un peu HDS, etc. J'imagine au niveau des certifications pour le côté patient au niveau médical. C'est des choses qui sont en cours. Ça prend un peu de temps parce que c'est très long, à mon avis, être certifié tout ça, mais TimeTonic est en cours. Ils ont fait un gros projet pour les hôpitaux de Paris où il n'y a pas de données patients, donc ça posait pas trop de soucis le côté HDS, tout ce qui est hébergement de données de santé, etc. Mais pour ce qu'il y en a là, et puis pour tout le monde, hein, après, ils veulent passer être HDS pour pouvoir justement mettre de la donnée de santé. Ils sont RGPD déjà, mais les données de santé, c'est encore un niveau au-dessus. Il faut être HDS et je ne sais pas s'il y a d'autres aussi, d'autres normes qu'il faut en plus, mais en tout cas pour les données de santé, je sais bien qu'il faut être minimum HDS, il me semble. Okay. Ouais, c'est HDS il passe, je crois, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Je suis pas expert sur le sujet, mais en tout cas, je sais bien que c'est en cours de développement du côté de TimeTonic. C'est déjà des choses qui sont en cours de chez eux, mais ça prend un peu de temps, bien sûr, c'est tout. Voilà, bon bah Kenji, pour te répondre, dans l'idée, ça va arriver, mais c'est pas encore le cas. C'est ça. Je vais créer et montrer un peu les formules. Je vais faire créer un champ adresse complète. Hop. On va prendre un type, on va dire les types formules. Donc là, les formules sur TimeTonic, on a un certain nombre de formules hein, qu'on peut voir ici. Il y a toute une doc là-dessus. Ils sont un peu moins fournis que par rapport à Airtable, par exemple, et on ne peut pas les imbriquer les unes dans les autres. Donc il y a une petite limitation là-dessus. Mais pourquoi ça? Parce qu'en fait, avant, ils avaient les automatisations sous Excel et ils servaient des formules d'Excel pour faire un peu tous ces calculs, ces fonctions, les conditions, etc. On peut se servir aussi bien des formules Excel et aussi des automatisations pour faire ces conditions. Donc c'est pour ça que les formules, pareil, sont pas encore super évoluées. Il y a déjà un certain nombre, mais ça pourrait gagner en lisibilité et puis en amélioration, mais c'est en cours du côté TimeTonic. Cette année, c'est prévu à la roadmap qu'ils améliorent ce côté-là des formules. Donc, par exemple, quand je crée une formule, je vais faire un concat avec. Merde, je voulais faire l'adresse. Donc, un concat de l'adresse, du code postal. Je vais peut-être mettre un espace, sinon ça va pas être lisible. Donc, espace ça. Donc on écrit directement et on met des virgules pour séparer. On va mettre la ville. J'ai mis la ville, ouais. J'ai même Oh pas. oui, tu Ah, l'avais mais elle est mis. là. Ouais, ok. Toc, c'est bon. Donc on a notre formule. Là, je vais créer, on va dire, j'ai créé l'OMEA. Comme ça, on aura un enregistrement juste pour visualiser. Hop. Donc là, on a un premier élément, on va dire notre entreprise. Il faut savoir que dans TimeTonic aussi, le premier champ, ça va être le champ qui va servir pour les relations. Et dans la bonne pratique, il doit être unique aussi pour éviter les soucis au niveau des relations, etc. Donc je vais le mettre en premier champ, le nom. Et on a une petite fonctionnalité qui est pas mal sur TimeTonic, c'est qu'on peut gérer. Composer la clé unique, ça veut dire que comme ça, on va être sûr que
le champ va être unique dans cette table-là. Comme ça, on évite les doublons, etc. Et on a aussi, je le montre là. Je te pose une question un peu, un peu intransigeante, mais du coup, là, c'est parce que tu es parti sur le nom. Mais du coup, admettons, si on a deux entreprises qui ont le même nom. Ouais. Donc, justement, là, il va nous dire, quand on va essayer de rentrer à la deuxième, il va nous dire qu'il y a une erreur. Et c'est à nous de mettre, par exemple, moi, ce que je fais souvent, normalement, c'est un ID au début, et puis je fais un concaten du nom de l'entreprise et de certains autres éléments, ou un ID du nombre plus, enfin de l'autonumber plus le nom de l'entreprise. Ça peut être fait comme ça. Après, là, je vais vite pour la démo, mais c'était juste pour. Ok, non, mais c'était des questions un peu plus techniques, mais que certains pouvaient se poser, justement. Ouais, c'est sûr, t'as raison. Et en plus, on peut mettre plusieurs champs qui composent la clé unique, c'est-à-dire, ça peut être, on veut que le nom de l'entreprise et la ville soient uniques, quoi. Par exemple, ça peut être deux champs et que ça compose plusieurs éléments qui composent la clé unique. Ok. Il y a aussi les expressions régulières, ça c'est pas mal, c'est pour tout ce qui est regex, quoi, en fait, tout ce qui est contrôle de saisie. Et on peut mettre des regex directement dans les champs pour venir contrôler que c'est bien le bon format qu'on attend. Par exemple, on va dire une bêtise, mais pour le code postal, je pourrais mettre une regex pour dire que je veux que si on est en France, par exemple, là, on va dire qu'on est... Que ce soit que des codes postales français et pas des codes postales londoniens ou autre chose, par exemple. C'est ça, que ce soit que 5 chiffres, quoi, et s'il y a plus ou moins, ben, on ne peut pas l'enregistrer parce qu'il va nous dire qu'il y a une erreur lors de la saisie parce qu'il ne répond pas aux règles qu'on a fixées. Donc ça, c'est pas mal aussi parce que ça permet d'éviter les erreurs de saisie directement dans l'outil et de guider un peu les utilisateurs aussi. Toc, j'ai mis le nom. Donc je vais créer juste les contacts. Hop. Là, je vais vite aussi, hein, c'est juste pour. Je vais faire un petit import après de données pour montrer un peu l'import et ça va permettre d'avoir un peu plus de data aussi. Donc là, pour le. Je vais créer nom, prénom, email. Pas de souci, Jérôme. On boit tes paroles, donc pas de souci. C'est cool. Prénom. Il faut que je mette le type de champ. Mais moi, une question qui m'intéresse, c'est plutôt pour Kenji, s'il est encore là. Du coup, votre produit, c'est quoi exactement? Qu'on puisse un petit peu, peut-être un petit peu vous orienter. Parce que du coup, dans le cadre projet médical, enfin du monde médical, il y a quand même énormément de possibilités et de choix. Et du coup, j'aurais aimé, par curiosité, savoir un petit peu quelle était la demande particulière. Puisque si tu me parles de patients et tout, c'est qu'il doit y avoir un traitement par des médecins ou est-ce que c'est plutôt pour des hôpitaux? Est-ce que voilà, tu as un peu plus de détails à nous donner sans dépasser des privacy policies, on va dire. Bah écoutez, c'est pas à nous en dire plus. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait peut-être répondre un peu mieux à son besoin, de savoir un peu plus en détail ce qu'il a besoin. C'est pour ça. Alors là, j'ai juste, je vais créer un petit enregistrement pour le nom, pour montrer, et on va créer aussi une relation. Donc là, c'est ce qu'ils appellent un lien vers une autre table. On va créer une relation avec l'autre table qu'on a créée, donc la table entreprise. Donc là, je vais avoir le choix des tables, donc je vais choisir la table entreprise. On va avoir des options, si on veut qu'il soit uniquement à la création, si on veut qu'il soit uniquement sélectionné, et si on veut une relation qui a une seule entreprise ou plusieurs. C'est là qu'on va le choisir. Donc là, on va laisser standard sans rien. Ah, j'ai oublié de mettre un nom. Hop, je vais mettre entreprise. Pour préciser ce que tu nous parlais des relations, c'était du coup pour dire si c'était si lui avait accès à plusieurs choses ou si plusieurs choses avaient accès à ce truc ou si plusieurs choses et plusieurs trucs avaient accès au même data, c'est ça? C'est ça, tu gères d'un côté et de l'autre. En fait, là, comme j'ai créé entreprise, en fait, on va avoir le choix d'en mettre, on peut mettre un seul enregistrement dedans, donc une seule entreprise ou plusieurs. Là, on va le gérer de ce côté-là. Et en fait, ça nous crée automatiquement une relation dans l'autre base. Toc. On ne la voit pas bien, elle est sur le côté, mais contact.
Je vais l'appeler juste contact, hein, je vais supprimer le petit champ de relation. Et là, pareil, de ce côté-là, on peut dire, je veux que ça soit relié à un seul contact ou plusieurs, quoi. On va pouvoir gérer les relations 1 à N ou N à N, ou N... enfin, les, tous les types de relations comme ça directement. Toc. Voilà. Là, je vais juste montrer un petit import de données pour les entreprises, par exemple. On a juste un onglet où on peut faire un import, où on va choisir un document CSV. Je dois avoir... Bon, faire des cas, un petit mot carousse, t'as pas en deux secondes, c'est assez rapide. Hop. Donc là, quand j'ai choisi mon fichier, il va me dire comment mapper les champs, en fait, comment on va faire la relation entre mon fichier CSV et ma table TimeTonic. Donc là, moi, dans mon CSV, le nom, c'est le nom, c'est le nom de la société. L'adresse, c'est l'adresse. C'est exactement les mêmes champs. Hein. J'ai repris la même table d'un autre CRM. On a la ville avec la ville. Hop. Et vous voyez le type, je vais peut-être le mettre. Le type avec le type. Donc comme ça, ça va nous réaliser un import directement des data. Comme on peut avoir, quand on construit un CRM, par exemple, tout sur un Excel, ça nous permet, il y a différentes façons, on peut importer un Excel complet aussi pour que ça crée les différents champs, ou on peut importer juste la data et mapper les champs qu'on a besoin. Donc là, il nous a importé les éléments. Je fais un petit refresh pour que ça le prenne en compte. Et voilà, donc là, il nous a importé toutes les entreprises que j'avais. Hop. Si je vais dans contact, je vais faire pareil pour qu'il y ait un peu de data. Je vais prendre les contacts. Hop, j'ai pas déroulé assez. Voilà. Et pareil, on va venir mapper les différents champs email, nom et prénom pour l'import des données directement. Et la société. Donc là, comme on importe la société, par exemple, il faut que le nom de l'entreprise corresponde au bon nom, mais comme moi j'avais fait un export, ça correspond bien, donc ça va me faire les relations directement. Donc si je valide, toc, il va m'importer les données, et il va m'importer les données avec la relation pour ceux qui avaient une relation. Toc. Là, on voit tous ceux qui avaient une entreprise, ils sont reliés à l'entreprise. Comme ça, par la relation qu'on avait là avec l'entreprise. Donc là, on a fait nos imports de données. Et par exemple, là, je vais vous montrer une vue. Alors, une vue, c'est quoi? En fait, une vue, c'est juste une façon de représenter la donnée de manière différente, soit visuellement ou soit avec des filtres, des tris, etc. Donc... Attends, on a la suite de la réponse de Camille, ouais. Qui est c'est pour des cabinets dentaires, notre agence échange directement avec les dentistes, mais ces derniers manipulent énormément de données patients et ça les rassure d'avoir une protection supplémentaire. C'est une clientèle très exigeante entre les envois de devis, factures, rendez-vous, sécu, social, etc. Ils ont besoin d'être rassurés. Ça, c'est compréhensible. Mais effectivement, ouais, c'est vrai qu'au final, en fait, mis à part le côté pour le moment données de soins actuellement, tout ce que tu demande là sur TimeTonic, c'est possible. Mais il manque ce côté on va dire sécurité supplémentaire, malgré que ce ne soit qu'une certification, ça ne veut pas dire que les données ne sont pas sécurisées. Mais là, actuellement, ce qui est à demande, c'est plus une certification que vraiment une sécurisation des données. Après, j'en ai pas parlé, mais avec Marcel Lanoux, qui est un autre, une autre personne et qui... On organise aussi un live, c'est It's Time tous les mois sous nos codes France. On a créé avec Martial aussi un Slack, les TimeToniciens, qui est un Slack dédié sur TimeTonic pour s'entraider, quoi, en fait. Et il y a aussi l'équipe de TimeTonic qui est dessus. Donc n'hésite pas, je mettrai le lien tout à l'heure. Enfin, je le mettrai dans la conversation, dans le chat. Si tu veux t'inscrire comme ça, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ça peut être l'occasion aussi d'échanger peut-être avec TimeTonic sur le sujet pour
pour qu'ils vous disent ils en sont où dans la partie HDS et en fonction de votre projet, quoi. Alors là, je crée une vue carte. C'est juste pour vous montrer une vue un peu spécifique. Donc quand je crée une vue, là je peux choisir le type de vue qu'on va vouloir en représentation graphique. Donc là, ce qu'on avait vu depuis le début, c'est une vue table. Mais il y a aussi des vues Kanban, qui est une sorte de Trello avec des cartes qu'on déplace suivant des statuts, par exemple. On a une vue calendrier, on a une vue timeline, on a une vue Gantt pour les projets. Comme on parlait des projets tout à l'heure, la vue Gantt, des fois, elle est bien appréciée. Il y a la vue carte et la vue TCD. C'est un peu une spécificité aussi sous Timetonic, c'est qu'il y a la vue TCD, donc on peut faire des tableaux dynamiques croisés, comme sous Excel. Des fois, ça plaît bien pour les clients, pour faire on a l'habitude de l'Excel dans les entreprises, ça plaît bien cette vue-là aussi. Donc là, je vais montrer la vue carte. Hop. Donc là, il va charger les différents éléments, logiquement. Je vais peut-être revenir dessus. Ah oui, mais j'ai pas configuré, c'est pour ça. Donc là, je configure l'adresse complète, l'affichage. Donc l'affichage, on veut le nom de l'entreprise. Je suis trompé, non. Et couleur par défaut, on va prendre par type. Et l'avantage de cette vue, c'est qu'elle va nous donner directement, là quand on sera chargé, sur une vue carte directement, tous les clients que j'ai avec une adresse, il va les positionner directement sur une map. Et on va pouvoir cliquer pour zoomer, dézoomer, etc. et avoir le positionnement des différents clients. Donc ça, c'est une vue parmi d'autres, mais c'était pour vous montrer un peu, c'est assez simple à mettre en place et que c'est un peu le principe de Timetonic, c'est que ce soit simple d'accès. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctionnalités où c'est très abordable, même pour des gens qui ne savent pas développer. C'est vrai que c'est très accessible. Pour des données, toc toc toc. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer. Là, c'était pour vous montrer une base, pour vous montrer un peu comment on construit. Je vais vous montrer un autre démo CRM. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais utilisé comme CRM. Moi, c'était un de mes premiers CRM, il évolue depuis, mais bon, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Donc là, j'ai géré juste des sociétés, des contacts, pareil, mais on peut aller jusqu'à gérer des opportunités avec des statuts, des types de projets, savoir si... Geek Forever qui dit tu peux cliquer sur une icône pour ouvrir une fiche en vue carte. En gros, ouais. C'est on y verra tout à l'heure, mais on va expliquer la vue carte tout à l'heure, donc tu le verras. Mais t'inquiète, Jérôme, t'es pas obligé de quitter, on le montrera tout à l'heure, de toute façon, vu que tu comptais montrer le côté carte. On y viendra tout à l'heure. Après, c'est vrai que je n'ai pas à montrer en détail, mais je peux le montrer là, ce sera fait. De toute façon, comment je l'avais appelé, NCC, je crois. Hop. Si on va sur une vue carte. Donc, j'attends que ça charge. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur le nom et ça va m'ouvrir directement sa vue fiche. Donc, sa vue fiche avec tous ses détails. Là, on voit quand on clique sur un enregistrement, la visualisation qu'il y a. On peut aussi, par rapport à Airtable, grouper les champs. On peut, c'est un avantage, je pourrais le montrer par la suite, mais on peut grouper des champs, ce qui est très sympa en termes de visualisation. Et là, on a les champs commentaires pour échanger au niveau de la, on va dire, des relations internes à l'entreprise. Et on a tous les champs de modification, savoir qui c'est qui a modifié quoi. Mais oui, directement sous la vue carte, on peut cliquer pour avoir directement la vue fiche de l'entreprise. Toc. Je vais me remettre au CRM. Donc là, j'ai montré, on peut avoir des opportunités. Je peux montrer peut-être la vue Kanban. Je dois avoir une vue Kanban, ouais, ça doit être mon pipe, directement comme ça, où on a des cartes qu'on peut déplacer et passer des opportunités, par exemple, directement d'une étape à l'autre. Pour les commerciaux, ça sert bien. Ouais, pour le côté gestion des tâches à la Trello, on va dire. C'est ça.
On peut aussi, moi j'avais fait une partie devis, on peut faire ces devis, générer ces devis, les envoyer en email. Je montrerai un peu après la partie création, la génération de doc très rapidement. On peut gérer les projets, suivi de paiement par exemple. Ce que je voulais montrer surtout avec ça, c'est qu'on a, avec TimeTonic, on a une partie dashboard qui peut être mis en place. Alors c'est un outil tierce pour info qui est Serenitix. C'est un outil français qui est spécialiste dans le domaine le BI. Et cet outil-là est inclus dans l'abonnement de TimeTonic. Donc, ce qui fait qu'on a accès à une vraie solution BI qui peut aller vraiment très très loin en termes de rendu graphique. Je peux même le montrer là. On a un outil qui est Serenitix où on va construire dessus. On va avoir des options de partage pour partager un lien, en fait. Et ce lien-là, on va le mettre dans une smart page, c'est ce qu'ils appellent une vue embed, enfin une vue incrustée dans l'outil, et qui va nous permettre d'avoir directement le dashboard. Il faut savoir aussi qu'ils ont été plus loin dans l'intégration. Il y a déjà, là, comme source de données, il y a déjà TimeTonic directement, donc il y a une liaison de la data qui peut être directement faite. Et on a aussi. On peut avoir, suivant la personne connectée, des dashboards spécifiques aussi. Ils ont fait la liaison avec l'ID TimeTonic directement aussi, donc ce qui permet de personnaliser le dashboard suivant la personne aussi. Ciao Kenji, merci d'avoir été là. Merci. Là, je vais montrer une petite partie doc. Toc, alors, est-ce qu'il. Alors, il a du mal à s'ouvrir, on sait. Ah, ça y est. Alors, c'est une vue embed, c'est pour ça. Hein, où là, j'ai intégré, par exemple, du Coda directement dans TimeTonic. Coda qui est un outil type Notion pour faire de la prise de notes et même beaucoup plus, mais on va dire que c'est là, je m'en suis servi en prise de notes. Et on peut avoir un petit coda intégré avec les docs. Moi, j'avais mis les tutos, d'avoir une visualisation de la base de données, d'avoir des. Hop, on va le voir là qui charge. C'est un Miro qui charge directement dedans. On peut avoir des conseils, par exemple, qu'on pourrait mettre en place. Donc, ça permet d'avoir une vraie doc et d'embed tout type de page avec les smart pages de TimeTonic. Donc, ça, je trouve ça assez sympa l'idée de l'avoir mis comme ça, qu'on peut la mettre en visualisation de table. C'est moi avec les clients, à chaque fois, je crée une partie doc comme ça et c'est très apprécié des clients. Ok. Miro, Wishimical et GoodDoc, ton assistant Martial qui nous fait ce petit commentaire. Ouais. Donc ça, c'est ceux qui fonctionnent, parce que c'est pas tous les logiciels qui fonctionnent en embed, mais ceux-là, ils marchent. Moi, j'ai du Miro assez souvent aussi. Ouais. Alors, j'ai montré le deuxième cas qui est. Là, j'ai déjà créé, j'ai repris ce que j'avais créé de la table du CRM, donc entreprise, contact et opportunité. Enfin, on va dire à nouveau, c'est l'opportunité. Et on va créer, en fait, je vais vous montrer comment créer une app, par exemple, pour des techniciens. Donc là, j'ai créé, je les ai déjà créés pour gagner du temps, sinon ça aurait été trop long, mais on a. Une table d'intervention où là on va avoir toutes les spécificités d'une intervention, le type, le client, le détail, la signature du client, etc. Donc les signatures, juste pour info, dans TimeTonic on peut créer des champs signature. C'est des champs de type pièce jointe où on va cliquer juste ici pour mettre en signature et on va pouvoir dans un enregistrement venir signer directement en fait. Là, si je clique ici, je vais pouvoir signer directement dans l'outil. Ou sur l'appli mobile. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais TimeTonic a une appli mobile Ouais, direct, enfin, qui est en on va plus y venir. offline. On va y venir, mais du coup, tu as juste une question de Monsieur Ouais. Nicolas Bessigné. C'est des pages Coda, par exemple, intégrées, sont forcément en accès public, du coup? Oui. C'est, enfin, ça doit être un lien public. Après, pas obligé parce que, enfin, en gros, si on veut, ça peut être une page restreinte, mais il devra retaper. Si c'est logué sous Coda,
Enfin, il faudra qu'il se log sous Coda pour avoir la partie privée, mais c'est possible. Et est-ce que tu penses que genre c'est possible de peut-être que ça répondra à la question, mais est-ce que tu penses que c'est possible de genre depuis Temtonic de privatiser la page Coda? Genre voilà, tu vois, non pas y avoir accès là comme là par exemple. Est-ce que tu penses que c'est possible de dire bah, sous certaines restrictions pour que cette doc là, il y a que certaines personnes qui peuvent la voir ou non, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par exemple, oui, c'est possible. Là, je vais le montrer juste après. Ou que je vais créer une app, en fait, à part, où on va pouvoir gérer, partager des vues. Donc, ces vues-là peuvent être partagées aussi. Et comme ça, on le met dans l'app fonction de la personne qu'on va voir. Je vais montrer ensuite le partage des vues et des espaces. Ça va être plus simple. Donc là, je reprenais juste un peu le descriptif. Donc, il y a des interventions. Il y a une table équipe qui va juste reprendre les techniciens. Dans Temtonic, on peut aussi avoir les emails d'incorporer directement. En fait, on va juste ajouter comme une table. Et en fait, on a dedans, on a la possibilité. Toc. Non, s'il veut bien descendre. Non, c'est dans l'autre sens. Email, on va créer, ça va nous créer trois tables. Si on crée cette table-là, en fait, ça va nous créer trois tables. Ça va nous créer email contact, qui va juste reprendre les contacts des emails. Email account, où on va... Alors, j'ai des petites lenteurs, moi, je pense que c'est ma connexion. Email account, où on va avoir la configuration de la boîte mail. On peut en configurer plusieurs. Et là, email, ça c'est une petite subtilité de Temtonic qui peut être vraiment pas mal. On va avoir les emails au format table, donc directement dans Temtonic. Donc là, j'ai configuré une boîte Gmail qui est à moi, mais ça peut être une boîte Outlook ou une autre type de boîte email. Et on va avoir une visu, on peut gérer la visualisation et tout ça, hein. Et on va avoir une visu des emails directement dans Temtonic. Ok. Et c'est comme une table standard, donc on va pouvoir créer des relations avec ces emails, on va pouvoir faire des filtres, des tris ou des visualisations spécifiques sous ces emails. Donc ça, c'est pas mal, parce que des fois, on peut s'en servir pour... par exemple, il y a Temtonic qui avait un use case assez sympa. Il traitait au niveau du support les mails comme ça, et avec ChatGPT, il y a une automatisation possible avec ChatGPT, une connexion. Et donc, il traitait suivant le niveau de priorité, suivant l'importance, suivant le sujet ou la langue, ils orientaient vers différents services. Donc ça, c'était une appli assez sympa pour la gestion des mails, etc. Ok. Ouais. Et du coup, question de moi. Ouais. dans l'idée d'ailleurs, tu nous as parlé de l'application Temtonic qui marche en offline. Mais du coup, oui. Il n'y a pas de marque blanche, c'est Temtonic du coup. Il n'y a pas Ok, tout est fait via Temtonic, mais il n'y a pas de possibilité de marque blanche. C'est une app native Temtonic sur laquelle on va se connecter, ou c'est par le user, c'est un peu comme, on va dire, si on se connectait sur Temtonic sur PC, où on va avoir ces différentes tables, ces différentes workspaces qui sont partagées. Et la marque blanche, c'est des choses qui discutent. Alors, je ne sais pas si ça sera pour quand. Je sais bien que c'était une discussion à la roadmap. Mais je ne sais plus exactement si c'est vraiment prévu tout de suite ou ça sera plus tard. Mais il y a une discussion autour de ça, en tout cas, du côté de Temtonic. Ok. Bon, ça, c'est bon à savoir. Alors, pour en revenir, donc là, je vais montrer comment créer une app. En résumé, différentes pour les techniciens, pour les commerciaux, pour, on va dire, différents profils avec des gestions de droits un peu différents. Donc là, on va avoir, on va dire, notre espace Temtonic là, le CRM NCC, c'est notre espace administrateur. Là, on va avoir toutes les tables, toutes les vues, etc. Et imaginons qu'on veut créer une app pour des techniciens. Donc là, pour les techniciens, je vais créer des vues spécifiques, vues techniciens. Je vais les appeler comme ça pour que ce soit plus parlant là pour le use case, où on va pouvoir gérer dans cette vue des droits. Par exemple, je veux que les techniciens ils ont accès aux entreprises, mais qu'en lecture seule.
Donc là, j'ai passé tous les champs en lecture seule. Comme ça, il pourra pas, sur cette vue, on ne peut pas modifier les éléments qui sont en lecture seule. Pour la page contact, je vais faire de même. On va dire, on a une vue technicien. J'étais trop vite ou... Ouais. Donc, une vue technicien où là, pareil, on va gérer tout en lecture seule. On ne veut pas que les techniciens puissent changer les contacts. Et on va gérer une vue intervention. Là, on veut que c'est les interventions du technicien, par exemple, qui soient filtrées. Donc, suivant la personne connectée, qu'on ait les interventions qui le concernent. Donc là, pour faire ça, et on veut... Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu pareil. Je vais gérer des champs, par exemple, on va dire que c'est la personne administrateur, elle va gérer les interventions, mais elle va juste les attitrer à des techniciens. Et on va mettre que le technicien, il peut juste changer son rapport, peut-être les détails, la date. On va gérer comme ça l'accès à certains champs ou même la non-visibilité sous certains champs. Donc là, on peut mettre, cela je ne vais pas le rendre invisible, mais par exemple les champs commentaires et tout ça, si on voudrait les retirer, on pourrait les retirer. Donc comme ça, on a une vue spécifique pour nos techniciens. Et là, je vais filtrer. Suivant le technicien, je veux que ça soit, il contient l'identifiant de taille thumbnic de l'utilisateur. Alors, je vais expliquer ça. En fait, là, les techniciens, la relation, j'ai mis en premier champ l'ID de la personne, en fait. Et comme moi, mon ID time tonic, je peux l'avoir là, en fait, si on voit là, c'est @giblin. Donc, mon ID time tonic, c'est giblin. Ben là, ça a fait un filtre sur que les tâches qui me sont affectées. Donc comme ça, on a une vue spécifique. Suivant la personne qui se connecte, il aura un filtre suivant ce qui lui est affecté en tant que technicien. Donc si là, on va créer une app. Là, je vais créer un nouveau workspace comme tout à l'heure. On va l'appeler app technicien. Où là, je vais créer une nouvelle table, enfin un nouveau workspace des techniciens. Donc, je vais le laisser vide. Et en fait, vous allez comprendre, à partir de cet espace-là, de mon espace admin, en fait, on va dire, je vais vouloir partager les vues qui sont intéressantes que je veux, qui sont vues par les techniciens. Donc, là, j'ai la vue technicien et je vais la partager dans un autre workspace. C'est ce qu'on appelle les vues miroirs chez TimeTonic. Donc là, par exemple, je crois que je l'avais appelé technicien, app technicien. Hop, je vais le partager, cette vue-là, vue technicien. Le contact, je vais le partager aussi pour qu'il y ait la visibilité des contacts. Et les interventions, il verra que ces interventions, par exemple. Donc on va partager mes interventions. Workspace app technicien. Et là maintenant, quand je reviens sur app technicien, là je vais avoir les vues que j'avais dans mon carnet administrateur. Et là on va avoir, comme on parlait tout à l'heure, bah, comment on gère la gestion des droits, etc. On va la gérer dans les vues. Et on va la gérer par le partage de workspace un peu spécifique suivant. Par exemple, on pourra avoir un pour les commerciaux, une app pour les commerciaux et une app pour les techniciens. Et on va partager les choses qu'on a besoin de voir dans ces apps par le système des vues. Donc là, entreprise, contact et les interventions, par exemple, il verra que ces interventions-là ne filtrées sous l'ID. Donc ça permet de voir la chose complète. Enfin, de point de vue d'un technicien. Et pareil sur l'app mobile, par exemple, on va aller partager, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on peut partager un workspace, je vais le partager avec le technicien. Comme ça, le technicien n'aura accès qu'à cette application-là, qui est une app réservée à lui. Je ne sais pas si c'est clair au niveau des gestions de droits et comment on peut faire des apps un peu spécifiques suivant les profils. N'hésitez pas si vous avez des questions.
etc. Parce que je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait pour créer des workspaces un peu spécifiques. Hop. Ce que je voulais montrer aussi. Donc, hop, intervention. Non, j'ai pas mis le bon, c'est celui-là. Ah oui. Alors, on peut générer des docs directement dans Timetonic aussi. Donc, comment ça se passe? À partir d'un fichier docx, donc on va pouvoir générer directement un document. Tout est natif dans Timetonic. Et je vais montrer très rapidement. Là, j'ai déjà créé le template. En fait, c'est juste un template que j'ai créé sur Google Docs. Qu'on va exporter en docx pour pouvoir le mettre dans Timetonic. Donc comment ça marche? En fait, on a une structure qui va être du texte standard et on va mettre des champs et les mapper, on appelle ça, c'est pour faire la relation entre Timetonic et le template. On va mapper une question, c'est est-ce que la facturation est par utilisateur? Oui, la facturation de Timetonic est par utilisateur, c'est plus fait pour faire des apps internes. Après, pour info, au bout d'un certain nombre d'utilisateurs, on a des plans un peu spécifiques si on veut avoir une genre d'utilisateur externe qui ne se connecte pas souvent, etc., avec des prix beaucoup plus bas. Donc, il y a des solutions pour faire des apps internes, mais on va dire pour les clients qui veulent avoir un accès sous ces enregistrements, etc., c'est des choses qui sont faisables. Avec des pricing beaucoup moins chers pour les utilisateurs s'ils s'en servent juste en tant qu'utilisateur et pas en tant que créateur. Je ne sais pas si ça répond à ta question, DecoTed. C'est ça. Donc, là, pour les templates, on va directement mettre... si je suis dans les interventions, je suis bien... Hop. Ouais, je suis bien dans les interventions. Donc, j'ai organisé les colonnes et on va avoir un code colonne. Et ce code colonne, c'est ce qui va servir à mettre en variable dans le template pour dire on veut mettre tel champ à tel endroit. Donc, on peut avoir, par exemple, là, j'ai client et là, j'ai juste le client à mettre. C'est $ accolade client, fin accolade. Et ainsi de suite pour tous les différents champs qu'on veut mettre. Il y a une petite fonctionnalité sympa aussi sous Timetonic, c'est qu'on peut aller chercher un champ qui est en relation. C'est-à-dire, là j'ai client.adresse complète. Et en fait, l'adresse complète, elle n'apparaît pas dans l'intervention, elle est dans la base client, enfin dans la table client. Et en faisant point et nom de code colonne, on va chercher directement la relation. On n'a pas besoin de faire un lookup comme sous certains autres applis pour aller chercher le champ. Et on peut mettre aussi des images. Par exemple, là, j'ai les signatures, c'est des images. Et de la même façon exactement. Et en plus, on peut mettre deux paramètres, 2.200, 2.200. Là, c'est pour limiter la taille en fait de l'image. Et on va pouvoir gérer la taille de l'image sur le document. Donc là, je vais vous montrer un peu comment on l'implémente. C'est très rapide. Après, une fois qu'on a le template de fait, je vais télécharger le fichier en docx. Je vais réduire un peu ça pour que ce soit plus visible. Je vais créer juste un champ qui va accueillir ma doc. On va l'appeler rapport. Donc ce champ-là est type pièce jointe, c'est juste pour accueillir ma doc. Et on va créer le champ spécifique pour créer des documents. Donc on peut avoir deux formats de documents, le docx et les fichiers XLS aussi, parce qu'on peut faire la génération d'Excel aussi directement avec Timetonic. Donc, je vais créer un champ doc, générer rapport, on va l'appeler, où là, on va mettre notre fichier. Donc, je vais reprendre le fichier que je viens juste de télécharger, hein, je vais le mettre ici. Donc j'avais fait quelques essais, on en voit déjà des présents, mais on va dire que le numéro 3, c'est celui que je viens de créer. Donc je vais le sélectionner. On a une colonne de sauvegarde qu'on peut mettre dans rapport. Le champ que je viens de créer. Et on va pouvoir avoir un nom de fichier par rapport à un champ. Donc je vais juste donner le nom de l'intervention.
Si on ne clique pas sous export au format PDF, il va nous exporter en DocX, vu que c'est un format d'origine DocX. Donc si on veut le modifier tout ça encore après, c'est possible. Ou soit on l'envoie en PDF, enfin soit il nous le fait en PDF, et nous on va dire que là on veut l'envoyer au client, donc on veut un PDF. Donc si je fais insérer champ, là il nous met un lien. Petite subtilité, c'est qu'on peut avoir une option et le transformer en bouton directement. Donc générer rapport. Je vais l'appeler. Et comme ça, il va nous créer directement un bouton. Donc là, par exemple, là, comme j'ai tout de renseigné, les signatures et tout ça, je vais générer le rapport. Et on va avoir notre document en format PDF, une visu directe comme ça, avec les images, le lien avec les différents champs, etc. Ok. Et peut-être que tu, vu qu'on a un point un peu de temps, ouais. Est-ce que tu avais prévu de montrer une petite automatisation, par exemple ? Ouais, voilà, c'était juste l'étape d'après, c'était le dernier petit truc que je voulais montrer et parler, c'était la partie automatisation. Donc là, on a le bouton automatisation. On va avoir différents types d'automatisation dans Timetonic, où on a les automatisations, on va dire, natives à Timetonic. On a les automatisations Excel. Les automatisations Excel, en fait, comment ça se passe ? On va avoir un fichier Excel où on va mettre des champs d'entrée et des champs de sortie. Et on va pouvoir, entre ces champs-là, créer des formules sous Excel et faire des traitements, etc. Et ce qui est pas mal pour les TPE-PME qui ont souvent des Excel un peu spécifiques dans leur métier, on va pouvoir s'en servir et faire toute la base de calcul, toutes les choses un peu spécifiques avec les automatisations Excel. Ça, c'est assez puissant. On le voit, je pense que c'est les seuls à le faire. Donc, c'est le genre de différenciation qu'a Timetonic par rapport à d'autres outils. Pareil. Lors du It's Time, notre live, ça c'est un sujet qu'on a abordé, les automatisations Excel. Martial, il a fait une partie, c'est son deuxième épisode d'It's Time. On a abordé ces automatisations Excel, si ça vous intéresse de regarder. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube, si vous tapez It's Time, Timetonic, je pense que vous retrouverez les lives. On a aussi les automatisations par Zapier. Donc qui sont natives, il y a déjà l'implémentation dans Zapier. On a une automatisation avec coupleur.io qui est un peu spécifique, ça, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on a une possibilité de notifier, c'est le genre de webhook en fait qu'on peut faire sur la table, dès qu'il y a une modification sous la table, qu'on envoie un webhook à un autre système informatique, quoi, par exemple. Ok, et du coup, est-ce que là, parce qu'il y a l'intégration native avec Zapier, mais est-ce qu'il y a du make, est-ce que c'est en discussion Alors, make, c'est, il y a, on va dire, c'est des choses qui vont arriver. C'est dans la roadmap. C'est pas encore, mais il y a quelqu'un de la communauté qui a créé la custom app sur make pour déjà se servir avec une. Il faut être invité sous cette app-là. Elle apparaîtra pas directement dans make, si vous voulez. Mais si vous êtes sur le Slack des Timetoniciens là, que je vous ai parlé tout à l'heure, vous pourrez la demander à la personne qui l'a créée, et comme ça, il vous donne accès et vous pouvez vous en servir pour, comme si c'était une app directement dans Make, pour créer des enregistrements, pour modifier des enregistrements, etc. Donc ça viendra dans le futur. Timetonic, ils sont sur le sujet, mais c'est pas la priorité. Il y avait d'autres sujets, je crois, un peu plus urgents avant de faire l'intégration Make, parce que moi, je m'en sers déjà avec Make, par exemple, parce que je faisais des calls HTTP. Comme il y a une API directement, on peut s'en servir avec Make, malgré qu'il n'y a pas l'implémentation. Ok, donc ouais, donc c'est à moitié disponible, on va dire, pour l'instant. Ouais, voilà, c'est possible de s'en servir par les API. Il y a une custom app faite par quelqu'un de la communauté, mais il n'y a rien d'officiel comme sur Zapier, où il y a vraiment... la petite bulle Timetonic qui est sur Zapier. Ok, bon, c'est top à savoir comme information, parce que pas tout le monde utilise Zapier, et puis ça peut être intéressant d'avoir un use case sur Make. Donc c'était pour ça que je te posais la question. C'est ça, nickel. Moi, j'ai déjà fait une application client où en fait on devait je devais mettre sur un autre outil qui était, enfin c'était un CRM pour dans l'immobilier en fait, où on voulait Timetonic comme back-end, et ils voulaient aller remettre
les informations des différentes propriétés et tout ça sur son site et sur un outil de comment du public postage, enfin type Le Bon Coin et tout ça pour mettre les propriétés. Et en fait, on a fait toutes les connexions avec Make, qui allait rechercher par API les différentes propriétés, qui allait mettre à jour dès qu'il y avait une modification sur le site WordPress et sur le et sous l'outil de publication. Donc okay, tout, bon, c'est vraiment faisable avec Make. Pour les automatisations, moi, bon, j'ai déjà mis 10.5, je vais aller très rapidement, elle est déjà créée en plus. Comment ça marche les automatisations? On va créer des automatisations qui sont liées à la table. Ah oui, j'avais supprimé après. Donc, je vais la créer. Donc, je vais l'appeler juste rapport. En fait, on va choisir un déclencheur. Là, je vais mettre rapport, mais on va dire on aurait pu créer un bouton qui puisse déclencher l'automatisation, par exemple. Là, on va imaginer qu'on veut envoyer le rapport à un client. Je ne vais pas mettre de conditions, on va dire. On va juste faire comme ça. Et là, on a plusieurs types d'actions dans les automatisations. On peut écrire dans un champ, on peut envoyer un email. Donc là, les emails sont... Si on a mis notre table email, ben là, on peut envoyer un email directement de cette solution-là. On peut envoyer des rendez-vous. On peut utiliser ChatGPT aussi. Donc, il y a une intégration de ChatGPT. Je peux montrer en vitesse, mais on va mettre sa clé API, etc. C'est pas intégré dans Timetonic. Il faut quand même mettre sa clé API pour payer les tokens, etc. Mais après, on peut servir directement dans Timetonic avec la description du rôle de l'IA et on peut mettre des variables dedans et se créer un prompt spécifique pour aller enrichir la donnée, pour aller poser des questions, etc. L'intégration est pas mal faite. Moi, je m'en sers de plus en plus parce que même pour du traitement, à des moments, c'est très sympa. Par exemple, c'est bien que Timetonic, on a discuté, j'utilise beaucoup pour les numéros de téléphone qu'ils ont un format, si c'est un numéro français, si c'est un numéro allemand, si, etc. Eh ben, on peut donner par exemple à ChatGPT de reformater dans le bon format le numéro pour avoir quelque chose de propre. Par exemple, pour un CRM, etc. C'est quand même pas mal. C'est super. Je trouve que les automatisations sont assez bien foutues. C'est super. Gali, oui, mais c'est ce que j'ai pas. C'est plutôt. C'est très fluide. Tu vois, c'est pas tout compliqué. Je trouve que tout est assez bien visuel. C'est vraiment très, très, très facile, on va dire, à utiliser. Et ouais. Puis en plus, là, on peut voir, mais là, je vais mettre des sous-groupes. Et même les conditions vont assez loin. Elles sont très visuelles. J'ai vraiment adoré ça par rapport à d'autres outils. C'est les conditions, on peut les imbriquer. On peut faire des et, des ou. On peut choisir les différents champs. On a vraiment beaucoup de possibilités. Et je trouve ça très visuel et très simple d'accès pour des gens qui ne sont pas très techniques. C'est vrai que sur pas mal de points, Timetonic est vraiment à simplifier les choses en termes d'ergonomie et de fonctionnement. C'est très efficace, qu'on va dire, Timetonic. C'est ça l'avantage, c'est très efficace. Okay. Bon, de toute façon, après, je voulais créer une automatisation, on voyait le rapport, mais... Non, mais on voit le principe. On voit le principe, je pense, au niveau des automatisations. Puis on a fait un live dessus aussi, sous les automatisations, si des choses vous voulez rentrer un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller voir. Sur ton écran, on voit en haut, tu as 16 de 14 messages. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est une notification? Est-ce que c'est parce que Timetonic intègre un chat en direct? Ouais, ça c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, c'est vraiment... Timetonic par rapport à Airtable, je trouve c'est vraiment fait pour le monde de l'entreprise. Et en fait, on a une messagerie interne qu'on peut avoir, on peut créer des notifications en fait. Alors, et on peut avoir les différentes infos sous des événements sur les différents carnets sous lesquels on est partagé. Et on peut s'écrire entre personnes aussi. Je vais écrire à une personne de mon carnet, ben, je vais pouvoir écrire directement à la personne. Donc vraiment une interface vraiment top pour discuter. On peut aussi discuter directement dans les enregistrements. Donc là, je vais mettre des commentaires. Et par exemple, là, je vais notifier. Là, c'est l'autre utilisateur que j'ai sous cet espace-là, mais Demo Lomea. Eh ben, je vais le notifier. Regarde cet enregistrement.
etc. Ellie, il va recevoir, cet user-là va recevoir une nouvelle notif en haut à droite, et on va avoir une notif par rapport à l'enregistrement et de pouvoir l'ouvrir directement. Donc ça, c'est pas mal fait sur Temptonic aussi, au niveau contact entre les personnes dans les espaces. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Non, a priori, on observait par quelqu'un sur YouTube qui s'appelle Nock. Voilà, c'est tout. Ok. Non, je pense qu'on est bon. Merci Jérôme. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. En tout cas, moi, je trouve l'outil hyper intéressant. C'est clair que c'est pas l'outil que j'utiliserai tout le temps, par contre, parce que bah, je pense qu'il y a certains use cases qui n'en trouvent pas en compte. Mais je trouve l'outil hyper intéressant et ça change vraiment de style qu'on a plus de devoirs en général. Le côté, on va dire, qui inclut automatiquement l'automatisation, la différente vue et la vue map aussi. Moi, je trouve ça vraiment quelque chose de génial. Et d'après ce que j'ai compris, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, le fait de pouvoir utiliser des formules Excel dans notre table de données, c'est ça, dans notre base de données. Ouais. Directement dans la table, tu peux utiliser des formules Excel qui va te faire. Il y a des use cases un peu spécifiques où tu peux faire des calculs assez avancés, tu vois, avec Excel. Tu pourrais pas faire peut-être avec des formules basiques ou que ça serait beaucoup moins clair, etc. Donc, moi j'ai des. Ouais, tu peux vraiment faire du VBA au final, en fait, c'est ça? Ah non, tu vas pas jusque dans les macros VBA et tout ça, mais tu peux déjà utiliser les formules d'Excel qui sont très très riches. Et moi j'ai des clients dans les TPE PME, ils ont des tableurs Excel assez évolués où ils ont même plus la maîtrise complète de tout ce qui se passe. Enfin, c'est des formules assez évoluées. Et donc comme ça, ça peut leur permettre d'utiliser tout dans un cadre beaucoup plus safe et de pas avoir un Excel qui peut être modifié avec des. Ben, on peut y avoir des erreurs et tout ça. Et l'Excel, on le voit même plus. En fait, il va être fait dans Temptonic. En fait. C'est okay. Fort. Comme et du coup, ma dernière question, c'est au niveau de la documentation, par exemple. Oui. Est-ce qu'il existe quelque chose qui peut te générer une doc de ta base, est-ce que de ton app, par exemple, plutôt est-ce que tu peux faire de petits repositories, des. Dans différentes solutions comme ça, tu te proposes des fois certains outils qui permettent de pouvoir, on va dire, t'avancer sur le point, c'est pas très technique, pouvoir aller fouiller dans ton app le côté technique, on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un genre qui a une map, les relations entre les bases, ce genre de choses-là qui peut aider. Il t'explique, exactement, ouais. Là, pour l'instant, il n'y a pas. Au niveau. On va dire doc et tout ça, ils ont fait les smart pages pour qu'on puisse faire ces docs, etc. assez facilement. Mais sinon, il n'y a pas d'option spécifique pour faire sa doc dans l'outil. Okay. Ça, c'est vrai que ça manque un peu sous beaucoup d'outils no code d'avoir vraiment une possibilité de renseigner, faire une vraie doc de l'outil. J'ai vu que tu avais fait un live avec Notice justement. Ce sujet-là. Ouais, on en avait parlé justement. Mais voilà, ils ont un côté très intéressant d'ailleurs, je trouve, à ce niveau-là, niveau wiki et tout. C'était super, super chouette de voir ça. Et je trouvais que ça changeait un petit peu de parler justement un peu du côté doc plutôt que du côté qu'est-ce que propose l'outil. Et dernière question avant qu'on clôture. Ouais. On a compris. Parce que du coup, je vois qu'il y a pas mal de choses pré-intégrées à Temptonic, mais est-ce qu'il y a des petites apps supplémentaires qu'on pourrait appeler des plugins qui sont disponibles ou quoi que ce soit, tu vois, un genre de Temptonic Store, un truc comme ça? Non, ça c'est pareil, on a parlé un peu, parce qu'il y a une réunion des partenaires Temptonic, et on a parlé justement un peu d'étudier des choses comme ça, de voir comment ça pourrait se faire. Il n'y a rien pour l'instant. La seule, on va dire, vraie intégration pour une app externe, il y a Zilio qui intègre directement Temptonic. Et franchement, super bien intégré et tout ça. Didier, il a fait super bon boulot. Et je conseille aussi Zilio parce que c'est vraiment un bon outil pour créer des apps mobiles en no-code. Vraiment aussi facile que Temptonic dans l'utilisation, je trouve très facile à mettre en place. Et... il y a une intégration Temptonic directement, donc ce qui fait qu'on peut. On a directement les bases qui se créent dans Zilio et on a direct accès à la data et on peut la modifier. Donc je trouve ça une très très bonne intégration de la part de Didier là-dessus.
Et sinon, comme autre outil, par Zapier, Coupleur, Serenitix pour la partie dashboard, j'ai rien d'autre en tête. Je sais qu'il y a des discussions un peu, parce qu'il n'y a pas de vrai front, on va dire, qu'on peut faire un vrai front externe pour l'instant avec Timetonic. Ça parlait un peu, il y a eu juste des discussions avec WeWeb, mais il n'y a rien de concret pour l'instant, hein, clairement. C'est de voir un peu l'attractivité, mais il y a de plus en plus de besoins pour les gens de créer un peu des apps externes pour certains services. Donc, c'est des choses, je pense, qui vont venir petit à petit aussi. Pas oublier que Timetonic est une société française, ils n'ont pas les mêmes moyens que d'autres type Airtable et tout ça. Et quand on voit... Et quand on voit déjà tout ce qu'ils ont fait, moi, ça m'a impressionné quand même. C'est un outil quand même assez complet maintenant. Bah écoute, moi, mon mot de la fin, c'est que s'il y a une intégration avec le web, bah, clairement, je vais me mettre avec Timetonic. Parce que bah, forcément, c'est mon petit love du web. Mais, ah ouais. Mais effectivement, je trouverais ça intéressant. J'aimerais bien voir comment ça va fonctionner. Parce que bah, je vois un peu comment ça fonctionne actuellement avec Airtable. Mais du coup, est-ce que sur Timetonic, il y a... en fait, ça me fait poser 1000 questions. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et salut Rafid Farence sur YouTube. C'était par exemple, est-ce que Timetonic peut gérer l'authentification ou des trucs comme ça, tu vois, si c'est connecté à des appels externes. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ouais, ça sera à voir un peu techniquement comment ils vont faire. Après, comme ça serait un accès par l'API, eux, ils mettent déjà en place du SSO pour les entreprises, Timetonic. Après, je pense qu'il y aura pareil du côté, enfin, il y aura des devs à faire un peu spécifiques pour avoir une intégration avec WeWeb, j'imagine, pour que tout soit sécurisé et que tout soit bien conforme. Mais ça peut vraiment être un match vraiment top parce que côté RGPD, etc. Et d'avoir du WeWeb derrière en termes d'interface, ça pourrait vraiment être très puissant, je trouve aussi. Totalement. Écoute, c'est génial. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, quelque chose à nous dire, pour finir peut-être. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à tester. Il y a un pricing gratuit pour essayer. Bon, il y a déjà, je crois, c'est un mois au niveau de Timetonic, quand on crée le compte, on a déjà un mois un plan pro. Qui a un point un peu plus évolué. Au bout d'un mois, on retombe en plan gratuit si on ne prend pas un plan payant. Mais le plan gratuit permet déjà d'utiliser beaucoup de choses. Hein. Clairement, il est juste limité au nombre de lignes qu'on aura dedans, enfin de cellules en fait. Mais ça permet de tester, alors n'hésitez pas. Et puis, si c'est des choses que vous aimez bien, n'hésitez pas à aller sur le Slack aussi pour échanger, pour poser des questions, pour tout ça. Ce sera un plaisir de vous répondre sur le Slack. Écoutez, merci à vous, merci à tous d'avoir été là. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Merci à toi, Jérôme. À bientôt. Merci, Raphaël. Merci.